Le sport fait partie de la vie du royaume du Cambodge depuis une époque très ancienne. Devant la terrasse des éléphants de l'ancien palais de la cité royale d'Angkor Thom, dans la province de Siem Reap, se déroulaient dans le passé des compétitions de sport traditionnels. Cette terrasse témoigne que les sports traditionnels ont éclos en même temps que l'Empire Khmer atteignait son apogée au XIe siècle. Les sports modernes sont arrivés à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, dans les années 1930, alors que le Cambodge était sous le protectorat français qui dura de 1863 à 1953. L'héritage français, notamment dans le domaine de la formation des ressources humaines, a permis aux sports modernes de prendre de l'ampleur dans les années 60 dans le Cambodge indépendant du Sankum Risnijum. Cet essor a culminé en 1972, année où les sportifs cambodgiens remportaient un grand nombre de médailles lors des Jeux d'Asie du Sud-Est. Malheureusement, le régime génocidaire des Khmers Rouges de 1975 à 1979, puis la guerre civile qui suivit, ont réduit à néant le sport cambodgien. Les infrastructures furent détruites et les sportifs disparurent presque tous. Après des années de guerre, la paix est enfin revenue et le sport a pu à nouveau s'épanouir à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Cette renaissance a été officialisée sur la scène internationale en 1994 quand le Comité international olympique a reconnu le Comité national olympique du Cambodge. Deux ans après, en 1996, le Cambodge a été autorisé à participer pour la première fois depuis plusieurs décennies à une compétition sportive internationale. Depuis, le sport cambodgien s'est développé progressivement avec le soutien des institutions nationales et internationales. Et, en un peu plus d'une décennie, le royaume, de simple figurant qu'il était sur la scène sportive mondiale, a retrouvé un potentiel de vainqueur. La paix totale revenue dans tout le pays n'a pas profité qu'au sport de haut niveau. À Phnom Penh comme en province, le sport amateur attire aujourd'hui un nombre inestimable de pratiquants. Qu'ils soient athlètes de haut niveau ou simples amateurs, tous jouissent des bienfaits pour la santé que procure le sport. Phnom Penh, la ville des quatre bras, est redevenue la capitale du royaume en 1865. Elle couvre aujourd'hui une superficie de 678 km² et compte 2,5 millions d'habitants. Son dynamisme économique s'exprime par la profusion de buildings modernes de haut standing qui s'est 78 km desservis par un réseau de routes et de ponts toujours en extension. Cette modernité exubérante n'empêche pas la ville des quatre bras de conserver une très forte identité ancrée dans son histoire grâce à la préservation d'un patrimoine bâti très riche constitué de remarquables constructions typiques de l'architecture khmer et du protectorat français. Chaque jour, au milieu d'un espace urbain grouillant de vie, les jardins et espaces publics de la capitale sont investis en masse par les Phnom Penhois qui viennent s'y livrer à des activités sportives bénéfiques pour leur santé. Capitale économique, politique et culturelle du royaume du Cambodge, Phnom Penh en sera plus que jamais la capitale sportive en 2023 lorsqu'elle accueillera des Jeux d'Asie du Sud-Est. Au Cambodge, le royaume où le sport est roi, nul doute que cet extraordinaire rendez-vous sera un succès.
កម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានមេដាយច្រើននៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ។